plaisir d'être là, les gars. Oh, vous avez encore du jus ou pas? Ça va encore, hein, de l'énergie encore? Ça fait tellement plaisir de jouer en Belgique, parce que là, je suis en tournée en France et tout, et je vais raconter un truc, je peux pas raconter en France, parce qu'ils comprennent pas le truc. Mais en fait, je vous promets, il m'arrive quelque chose d'incroyable récemment. C'est qu'il m'a demandé un ami sur Facebook, Marius Gilbert. Je vais peut-être exagérer en utilisant le terme incroyable, peut-être, non? Mais en tout cas, je faisais les putains. Quand j'ai vu que Marius Gilbert, il m'avait demandé en ami, je me suis dit, mais comment j'ai percé? Direct, j'ai appelé Cody. Je fais, toi, Cody, t'es rien arrivé de spécial récemment sur Facebook? Il m'a dit, non, pourquoi? Non, pour rien. Dans ma tête, j'étais là, c'est moi le boss! Eh, hey, si les virologues m'aiment bien, tu vois, ça tue, non? Ça se trouve, ça qu'ils font au comité de concertation, tu vois. Pendant 15 minutes, ils parlent du Covid, le reste du temps, ils regardent mes vidéos, tu vois. Eh, hey, ça expliquerait pas mal de choses sur la gestion de la crise, hein, je te le dis, hein. Ah putain, franchement, j'ai pris confiance quand j'ai vu que Marius Gilbert, il m'a demandé un ami. La semaine passée, mercredi, j'ai joué à Marseille, je vous promets, j'ai fait allumer la salle. Je me suis dit, tu sais quoi, peut-être dans la salle, il y aura un mec avec des longs cheveux sales et une blouse, tu vois. Ah ouais. Je me suis dit, Marius Gilbert, il me kiffe, il y a moins que le professeur Raoult aussi, quoi, c'est possible, non? C'est possible. Ça aurait été stylé, parce que Raoult, c'est vraiment une star internationale, quoi. Tu vois, Marius Gilbert, bon, ça marche pour lui en Belgique, mais voilà, il a jamais percé en France, quoi. Il a jamais explosé en France, c'est vrai. Moi, je pense que c'est la faute de sa maison de disque. Franchement, pour moi, sérieux, ils ont sorti le mauvais single au mauvais moment, tu vois. Et là, les Français qui nous regardent font « Putain, c'est qui Marius Gilbert ?» Tu connais ? Il est sur Spotify. Non, Marius Gilbert, les amis, c'est un épidémiologiste belge. Et c'est mon épidémiologiste préféré, hein. Franchement, et c'est une phrase qui est bizarre à dire. Parce qu'il n'y a pas si longtemps encore, j'aurais jamais cru que dans ma vie un jour, j'aurais un épidémiologiste préféré, quoi, tu vois. C'est-à-dire que épidémiologiste comme urologue, tu vois, c'est pas des métiers où normalement t'as une fanbase, quoi, clairement, tu vois. Il n'y a jamais personne qui dit « Putain, tu ne deviendras jamais qui vient jouer à Liège, le roi de la prostate », jamais, hein. Ça n'existe pas. Il fait prostate et il est urologue, ouais, il fait tout, il fait pédicure, il fait son propre jambon, c'est hâte. En fait... Non, Marius, c'est mon épi... Hey, c'est mon gars. Aujourd'hui, tu me dis, toi, que t'es plus Marc Van Ranst ou Marius Gilbert? Mais moi, je te dis, mais Marius Gilbert, de loin! Marc Van Ranst, il peut crever dans un bac à chat, je m'en fous, quoi. Franchement, tu sais quoi? Il me demande un ami sur Facebook, je le bloque directement. Hey, pour moi, Marc Van Ranst, depuis son premier album, il a plus rien sorti d'un peu correct et tout, tu vois? Là, les Français qui font, putain, on comprendra jamais ce sketch, on comprendra jamais. Eh non, franchement, ça m'a fait bizarre que, en fait, que, sincèrement, Marius Gilbert, ça m'a fait bizarre qu'il me connaisse. Tu le vois, tu dis pas directement, lui, c'est un fan de stand-up, quoi. Clairement, quand tu le vois, au JT, il a jamais dit, moi, ce que je recommande deux choses, c'est vraiment le port du masque et le spectacle de Blanche Gardin, quoi. Il a jamais dit ça au JT. Franchement, après, c'est vrai que Marius Gilbert, on le voit toujours dans des circonstances un peu dramatiques, quoi, tragiques, ça se trouve. Il serait peut-être marrant dans Vendredi, tout est permis, tu vois, genre avec Boudère, tu vois, dans le décor penché. Ah, lavez-vous les mains! Arthur, tire sur mon doigt, mais mets du gel d'abord, hein! Et en fait, franchement, ça m'a fait quelque chose, parce qu'on a tous vécu la pandémie et tout, et vraiment, il était, je trouve, sincèrement, il était vraiment pédagogue, Marius Gilbert, il avait pas souvent les mots justes au JT et tout, et je vous le dis franchement, premier degré, il a compté pour moi. Et aujourd'hui, ça me touche de savoir que je compte un petit peu pour lui aussi, quoi. Ça me touche, franchement, parce qu'on se parle pas beaucoup sur Facebook, mais on sait qu'on est là l'un pour l'autre, et ça, c'est vraiment fort, quoi, tu vois? Parce que parfois Marius Gilbert, il est online la nuit sur Messenger, tu vois, et j'ai envie de lui envoyer « Tu dors ?» Tu vois, vraiment, je... Ah, c'est vrai. Eh, tu vois, j'ai le doigt sur le poke, je me dis « Ah, je sais pas, c'est peut-être trop tôt, tu vois, vraiment ?» Après, je vous promets, je suis pas sûr que j'ai envie d'être pote avec un épidémiologiste, quoi. Parce que, c'est-à-dire qu'on doit... Je dis pas qu'on doit tous être stand-upper ou chef de projet en informatique, mais lui, sa passion dans la vie, c'est les épidémies, quoi, tu vois. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'épidémie, Marius Gilbert, il se dit « Putain, c'est calme. Ouah. Je m'ennuie. » Tu sais quoi, quand la pandémie a commencé, lui, il s'est dit « Mais c'est maintenant. C'est mon moment, tu vois. » Quand la pandémie a commencé, ça faisait 17 ans que Marius Gilbert, il était épidémiologiste, que personne lui parlait de son délire, que dans sa tête, il disait « Putain, j'aurais dû être fleuriste. J'aurais tellement dû être fleuriste. » Sérieux, pendant 17 ans, il s'est dit « j'ai vécu à la mauvaise époque », quoi, tu vois. Parfois, moi, je suis nostalgique de mai 68, Marius Gilbert, il doit être nostalgique de la peste noire, quoi, vraiment, tu vois. Il doit se dire, tu sais quoi, moi, j'aurais vécu en 1362, j'aurais été le king. J'aurais eu une aile au château de Laeken, j'aurais été pote avec Louis XVI, tout, tu vois. Bon, là, il y a les historiens dans la salle, je fais « ouh, il est approximatif, ce sketch. Oh là là, oh là, ça va dans tous les sens. » Non, mais en vrai, je vous promets que je suis pas sûr de vouloir être pote avec lui, parce que je pense que tu peux pas être 100% naturel avec Marius Gilbert, quoi. C'est-à-dire que, imagine, tu vas au resto, tu peux pas faire semblant longtemps que t'as pas envie de lui parler du Covid, quoi. Franchement. Et au début, tu vas masquer, tu vas lui faire « Sinon, t'as des frères et sœurs ?» Tu vas dire « Mais elle est pas mal, cette petite veste en tweed, ça te va... » Mais au fond de toi, tu vois, t'as qu'une envie, c'est « Vas-y, parle !» Quand on va être confiné, tu vois. Et moi, je pense que t'as pas envie d'être pote avec un spécialiste des virus, quoi. C'est-à-dire que...
Imagine tes potes avec un spécialiste des virus, tu vas au resto et il te regarde en silence pendant longtemps. Et il te fait « Ça va, toi ?» Petite mine, hein, vraiment, tu vois. T'as pas envie de ça, t'as pas envie d'être pote proche. Moi, j'ai pas envie d'être proche avec Marie Gilbert. Imagine, il t'appelle et il te fait « Écoute, il faut que je te dise un truc, mais tu dois le répéter à personne. C'est au sujet du vaccin. » Après, tu te dis, si je dois être pote avec un épidémiologiste, franchement, je préfère que ce soit Marius Gilbert, quoi. Parce que Marius Gilbert, tu vas bouffer avec lui, s'il s'enjaille un peu après, il y a moins que tu sors et tout, ça peut être sympa. Imagine, tu vas manger avec Yves Van Lathem, tu vois. Pour les Français, Yves Van Lathem, c'est un chanteur de reggaeton, tu vois, c'est lui qui a coécrit Despacito, tu vois. Et là, les Français, ils font putain, je quitte, là, je change de chaîne, tout de suite. Non, Yves Van Lathem, si vous voulez, pour les Français, physiquement, c'est le professeur Raoult qui aurait dit « Putain, il était là, mon peigne. » Ça, c'est Yves Van Lathem, tu vois. C'est le même. C'est Raoult peigné, tu vois, c'est vrai. Mais non, mais imagine, tu vas bouffer avec Yves Van Lathem, et à la fin du repas, il fait « Moi, j'ai pas envie de rentrer. » Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas aller au carré à Liège avec Yves Van Lathem, tu vois. Ça peut pas être ton wing, tu vois. Et après, je me trompe, peut-être que j'ai des préjugés. Ça se trouve, Yves Van Lathem, après deux rhum coca, il zouk, tu vois, c'est possible. Peut-être après deux rhum, il te fait fruit de la passion. Peut-être possible. Tout ce que je dis, c'est que si tu vas en boîte avec Yves Van Lathem et qu'il gère sur France Yves Vincent, là, tu pourras te dire, il m'est arrivé un truc incroyable. Vraiment. Eh les amis, j'aurais bien fini là-dessus, mais je vous dis franchement, c'est vrai que Marius Gilbert, il m'a demandé un ami sur Facebook et on s'est jamais parlé encore pour le moment sur Messenger. Moi, je dis, tu sais quoi? C'est l'occasion. Viens, on lui fait une note vocale. Thomas, c'est vrai ou pas? Regarde. T'as vu? Eh, à trois, il sait pas, hein? À trois, on lui crie, Marius Gilbert, nique ta... Non, je rigole, tu vois? Non, je rigole. À trois, on fait Marius, 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 ok? Prêt? 1, 2, 3. Marius, 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 Marius. Ok, merci les gars. Hey, exagérez pas, c'est quand même pas le professeur Raoult non plus, tu vois? Donc, allez, à bientôt les amis, vous avez été super. Ciao, ciao, bonne soirée.